chasing butterflies and floating on the breeze. I got no doors, I need no keys. Another world to be seen. It feels so good out on the road and on my own. Waking up, no strings attached, no looking back from ocean waves to desert skies and summer nights. I know. Ah là là, cette musique, elle est quand même assez exceptionnelle en vrai. Elle aurait... En vrai de vrai, excusez-moi de le dire, la musique est cool. Alors attendez, il faut juste que je prépare très rapidement la scène. On fait disparaître ça. Et on va faire apparaître le petit Victini, les amis. Hop! Ouais, hier, on a pris cher sur le Nuzlocke un peu. Hein. On a perdu notre meilleur élément. On a perdu Lucario. Ouais. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur le Nuzlocke. Hein. Nous avons perdu Lucario, on a perdu l'espoir de trouver un Pokémon de type glace sur cette zone. On va donc espérer trouver une seconde zone dans le coin, à savoir le lac où on doit aller. Et là, ça va vraiment être une partie de chance qui va se jouer. Hein. Ouais, ça c'est Momartic ça, non? Ouais, bonjour Momartic. Qu'est-ce que j'aurais aimé te capturer, franchement, tu sais? L'avantage après, c'est que je connais vraiment la zone par cœur, quoi. On remerciera Pokémon Réunion pour ces informations. Merde, il m'a vu. Quoi? Tu veux un combat Pokémon? Moi, j'ai jamais demandé ça, hein. Bon, on va te Roselia. On va se taper dessus. Après, le problème, c'est que. Bon. On n'est pas dans notre meilleur élément, quoi. Mais. Fait chier notre petite ticket de merde, là. Faut vraiment qu'on espère qu'il y ait des hautes herbes de l'autre côté. Et normalement, il est censé en avoir. Donc, on récupère les hautes herbes de l'autre côté. On récupère un Pokémon de type glace, de préférence. Pour le Karchakrok de Cynthia, bien évidemment. Vous commencez à connaître un peu l'histoire. Je crois que Politoed va évoluer, je crois. Si ma mémoire est bonne, il évolue niveau 40. En galopa. Si ma mémoire est bonne. Et uniquement si ma mémoire est bonne, bien sûr. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Le petit coup critique qui fait plaisir, quoi. L'élévateur au niveau 42! Ah, je crois que tu étais un fantôme! Quel soulagement! Je sais que je suis. Ah, niveau 40, hein. Cette connaissance me vient de Pokémon Arceus, par contre. Hein. Et bonjour, Galopa! Estocorn, je connais pas. Type acier. T'as pas 70. Enlève-moi donc charge, on s'en fout. Tout le monde s'en tape de charge, monsieur.
Et voilà les amis, nouvelle zone. Enfin, c'est cringe, quoi. Montez la garde, c'est une mission cruciale. Je vais faire des étincelles et gagner un mélofé. Attends, je dois faire quoi, là? Attends, frérot, on m'a fait tout un cirque. Sur le... Ouais, alors il faudrait... Et là, ils me disent aller à l'arène de Primapic. Est-ce qu'on est sûr du call? Ah, pas du tout, moi je vous le dis. On va aller au meilleur endroit pour aller s'entraîner, vous inquiétez pas. Pas besoin de cette zone-là pour s'entraîner, mais bon, c'est... En fait, je suis dans un lieu où il y a de la glace partout, vraiment partout. Et là, vraiment, je tombe sur des random combats, quoi. Et oui, l'hyperbole, oui. C'est cool. C'est très cool, l'hyperbole, oui. En fait, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer comme il faut, quoi, vous voyez. Mais tout va bien, quoi. Je le vis bien, tout ça, mais... J'utilise des étés pour enseigner des capacités de différents types à mes Pokémon. Je dois mettre toutes les chances de mon côté si je veux affronter le Conseil 4. Leur niveau est bien supérieur à celui des niveaux des champions d'arène. Si ton Pokémon est gelé, la glace finira par fondre toute seule au bout d'un certain temps. Mais à ta place, je porterai quand même quelques antigels. Enfin, les chances d'être gelé sont très minimes, très chères. Ok, donc là c'est bon. C'est le max qu'on puisse prendre, c'est pas ce qu'on va prendre, bien sûr. On va en prendre 40. Au cas où. Au cas où. Pas besoin du reste, de toute façon on n'a pas le droit de repousse pour l'instant. Ok. Fouillons la ville et puis après on ira s'entraîner un petit peu quoi. Gladys m'apprend des choses sur les Pokémon. Elle dit que je vais commencer par me lier d'amitié avec eux. Bon, en général on commence comme ça, ouais. Tu te rends au temple Primapic? Tu sais qu'on n'a pas le droit d'y entrer. Ah ouais? Bah, ok. Tu n'aurais pas un Charmina par hasard? Contre son spectrum. Oh, j'aurais dû le capturer, ce fils de... Oh putain! Mais le regret instantané que j'ai! J'aurais dû le capturer pour l'échanger. Oui, bah non, bah je l'ai pas du coup. Putain. Oh, le seum! J'adore ma copine et son petit côté espiègle. Ah, c'est... C'est des qualités. Tiens, je me suis fait... Bonjour, c'est pour rentrer. Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans le temple de Primapic. Je vais devoir te demander de partir. Ah, d'accord. Je le prends bien. Ici, il fait si froid qu'on a du givre sur les cils. Du coup, tu devrais peut-être penser à te couvrir un peu plus. Non, ça va, ma veste, ça me suffit. Hein. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Bonjour, bonjour. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Que tu me dises un mot qui illumine ta journée. Illumine, diamant étincelant. Qu'est-ce que tu regardes? Bah oui, je suis chauve, et alors? Faut que j'en dise plusieurs, c'est ça? Il y en a...
Un sur les quatre qui. D'accord, pas du tout. Pas du tout, d'accord. D'accord. Bah oui. Tu mets pas un coin comme ça s'il n'y a pas quelque chose au bout, quoi. Il n'y a rien ici, mais c'est ce qui rend cet endroit si particulier. Oui, enfin, c'est un coin paumé, quoi. Pas en faire tout un cirque, ça très cher. Tu sais qu'il y a beaucoup de Pokémon de type glace autour de Frimapic? Non, bah tu sais quoi, j'en ai croisé aucun! Même pas un! Même pas un! Pardon. Je me demande s'il y va au temple. La neige absorbe les sons. C'est pour ça que cet endroit est si silencieux. Mais c'est ça, ouais. Putain, en vrai, je me suis fait défoncer, quoi. En fait, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer sous tous les angles possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'à la base, je devais avoir un truc sympa de type glace et j'en ai eu aucun, quoi. En plus de perdre Lucario, quoi. Enfin, vraiment, hier, on s'est vraiment fait défoncer pour rien, quoi. Vous avez vu? 1, 2, 3, 4, 5! 5 Pokémon de la même famille dans des endroits différents. Enfin, le jeu s'est foutu de ma gueule. Faut qu'on dise les termes un peu, quoi. Après, bon, il y a ces deux-là. Lui que j'ai eu dans une zone où j'aurais pas dû l'avoir, et lui qui est mort hier, quoi. Mais tout va bien, mais je me suis fait un peu défoncer, quoi. Intérieurement, je le vis mal, quoi. Ce qui, je pense, est normal, mais bon. On a soigné nos Pokémon, du coup. Clairement. Ah, j'aimerais tellement embarquer un dresseur reconnu par la Ligue Pokémon sur mon bateau. Ça va arriver bientôt, ça va arriver, t'en fais pas. Ouf, il fait tellement froid dans cette ville enneigée, on va finir par geler. Mais les dresseurs et les Pokémon sont animés d'une passion ardente pour le combat, surtout la championne. Y a rien dans cette zone? Ok, bon, y a rien dans la zone. J'ai rien dit. Désolé, autant pour moi. Bon, on a pu en sortir, ça y est, c'est parti. Tout le monde se rappelle de cette arène de mort? Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Salut! Comment vas-tu, futur maître? Tu as vu les grosses boules de neige éparpillées dans l'arène? Tu dois glisser sur la glace en prenant suffisamment d'élan pour les pulvériser. Sache aussi que la championne utilise des Pokémon de type glace. Fais fondre ses défenses à l'aide de capacités brûlantes de type feu. Ici, tout est question de volonté. Fonce dans ces boules de neige en y mettant tout ton poids. Bah, go! Faire des échanges. Non, non, je suis en Nuzlocke. Je ne veux pas faire d'échanges avec des gens que je ne. Externe au jeu, quoi. C'est pas assez d'élan, ça? Ah non, ça c'était assez d'élan. Bonjour, madame. Est-ce que le sol piégé de l'arène devait transpirer? Si tu n'arrives pas à gagner ton sang-froid au combat, c'est fichu. Oh non, mais je sais, mais t'inquiète pas, je vais te battre dans les règles de l'art, très cher. Christine. Bah viens par là, Christine. Donc la Fatal Foot, on s'en fout. Vent violent, je devrais m'en cogner normalement, plus ou moins. On va espérer que Tranchère fasse assez de dégâts en vrai. Ce qui devrait être le cas. Quel coup critique! Je Torterra. Non mais tu carries Torterra. T'es un monstre. Mais dans le bon sens. À quoi que ça va être facile. Vachement type glace l'arène en vrai. Je ressens le danger là. Ok, bon, aucun problème pour jusqu'à maintenant, c'est nickel. C'est nickel, 47. Oh.
Stylix. Non mais alors, le Stylix, il a rien à foutre dans l'arène, quoi, vraiment. On est loin de la glace, là. Type, oh, je peux comprendre, c'est bleu, bon. Mais Stylix, quoi. Respectez-vous, madame. Ah, il a beaucoup de défense. Ça marche. Bravo, Torterra, bravo, bravo. Oh, le Crogivre. Ok, bon, ça va, je peux en encaisser encore un, de toute façon. Allez, tranche serbe, mais c'est un chaos. Putain, la vache, j'avais pas de one shot sur un Stylix encore. C'est impressionnant. Mais ok. Tricherie. Je sais plus s'il est attaque ou attaque SP, mon machin. Attaque 102, attaque SP 101. Très bien. 60, 60, 60. Allez, apprenons tricherie. Ok, ça c'est fait. Ah, mais quel sang-froid! Finalement, c'est surtout moi qui ai transpiré. Si elle veut, si elle veut. Oh, ça m'a fait sursauter! Il fait tellement froid que je n'ai pas envie de parler. Ok. Ben, lance ton Pokémon et battons-nous. Tes Pokémon et battons-nous. Juan. Ok, Juan. Mustaflo. Ok. Bon, non, bon début, bon début. Trancherbe, c'est un chaos normalement, je pense. Oh, le gros givre. On va le soigner au prochain tour. On n'a pas le droit de soigner hors combat, mais on a le droit de soigner pendant les combats. Donc ce qui veut dire que là, concrètement, on a tout à fait le droit de soigner pendant ce combat-là pour être à l'aise dans les prochains combats, par exemple. Ce qui est un risque qu'on va prendre évidemment maintenant plutôt que après. Ouais, Torterra, avec plaisir! Ça serait bien que tu tankes, par contre, le Manglas. Hein. Vraiment, ouais, bah c'est nickel. T'as fait un boulot monstrueux, tu ralentis quoi? Ma vitesse, je pense que de toute façon, j'étais plus lent que toi. Hein. Dans tous les cas, Farfuré, ça va pas être un gros problème. Je pense que j'étais assez lent. Oh! Oh, tu me fais encore moins de dégâts, par contre, là. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ok. Galopo niveau 41. C'est parfait. Ce résultat me laisse de glace. Madame, je passais. Ah. On passe tout notre temps à se battre dans le blizzard de Frimapic. Tu vas voir comme ça nous a endurcis. En plus, vous savez, on est vraiment en bas. Madame, madame, je vous bats s'il vous plaît. Comme ça, comme des débiles. Ah, un des rares Pokémon de type glace qu'on croise vraiment. Comme. T'as un seul Pokémon, si je te le mets KO d'un coup, t'en rends compte que c'est fini. Oh putain, il avait un PV. Par contre, j'ai échappé son attaque, par contre. Il lui reste vraiment un PV, hein, excusez-moi, mais... Peut-être deux, mais... Coup critique sur 3 PV. Ouais, Torterra, merci, hein. Mais d'où te vient cette force? Ah, petit.
Si tu savais. Ah, il y avait Strat, hein. Pas du tout. Attendez, il y a un problème là. Attendez. Ok, ah, il y avait Strat pour de vrai. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec le con, avec le temps, je suis toujours aussi con. J'essaie de faire une diagonale, vous l'avez vu. Ah, j'étais pas encore allé par là en vrai. Pas encore allé par la session. Tu commences à fatiguer? Sache que les dresseurs d'exception peuvent triompher dans toutes les situations. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Après, bon. Je vais quand même gagner, je pense, hein, mais. Alors, voyons voir, Farfuré, ce que tu mérites pour moi. En vrai, un tronche herbe, hein, ça m'a l'air pas mal. Hein. Même si t'es plus rapide, au moins tronche herbe, j'ai pas mal de pp. C'est worse. C'est très worse. Tentacruel. Pokémon de type glace, du coup, hein, exactement. Ouais. Je vois très bien le type glace là sur. Tu le prends le séisme là? Ah ouais? Ah ouais, ok. Là, j'aurais pensé à peut-être une petite limitation, mais j'étais pas vraiment sûr, donc j'ai pas dit grand chose quoi. Ah, c'est donc vrai! Un dresseur exceptionnel gagne dans toutes les situations.
Oh, vraiment, je les prends tous. Hein. Ça ne fait pas longtemps que je fais des combats Pokémon. Mais mes amis m'ont entraîné et j'ai vite progressé grâce à eux. D'accord. T'as vite progressé grâce à eux. Ok. Mais t'étonne pas si moi je te bats, parce que moi je suis pas tes amis. Je fais semblant de te faire. Oh là là, tu es forte au combat alors que tu es à chier, d'accord? Oh! Aïe. On a pris nos traces. Hein. Torterra a failli décéder. C'est sur ce coup qu'on claque une hyper potion. Excusez-moi. Ah, l'hyper potion nécessaire là. De mon côté. Éclat glace. Il a évité! Bravo Torterra! Bravo! C'est bien Torterra, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est tout très bien Torterra. Continue à te battre. Jusqu'au bout Torterra, toi et moi. Jusqu'à la Ligue Pokémon Torterra. Tu vois Cynthia? Tu sais ce qu'on va aller faire à Cynthia? Bah t'as pas envie de savoir, Torterra. Mais Cynthia, ça va être toi et moi. Ah, oh, quelle force tu as, c'est incroyable. J'ai forgé ma volonté au milieu des blizzards terrifiants. Tu vas goûter à ma puissance. Ok. Ah, tu n'as même pas eu peur. En fait, je sais pas trop ce que je dois faire à partir de là. Sur la dernière, elle est là. Donc ça veut dire que je dois retourner. Je dois retourner ici, exactement. Pour libérer celle-là. Je crois que j'ai mis moins longtemps que la première fois. Tu veux me défier? J'accepte volontiers de t'affronter. J'entendais justement quelqu'un de coriace. Message que je me donne à fond dans tout ce que je fais. C'est de là que je tire ma force. Les Pokémon, la mode, l'amour, tout est une question d'enthousiasme. Je vais te le prouver. Tu peux numéroter les sabbatis. Je crois que tu m'as déjà dit ça une première fois. Et je crois que je n'ai rien numéroté du tout et que je vais t'éclater comme ça sans aucune pitié. Merde, excusez-moi. On va se battre ensemble, Torterra. Et ensemble, c'est toi et moi, main dans la main, Torterra. À la victoire! Ok, Avalanche, tu vas peut-être... Ok, t'as pas trop kiffé Avalanche, mais... T'es plus rapide.
C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est... Ok, Winston, on a un problème. Ok, Winston, Torterra est mort. Ouais, mais après, j'ai été un peu greedy, mais je pensais pas que ça allait être un problème à ce point-là, quoi. Ok, Winston? Winston, on a un problème! Winston, notre Pokémon est mort! Winston! Non mais... Winston, on a un big trouble, là. Winston! On se réveille, Winston! On m'envoie un Pokémon! Oh putain, elle le change. Oh, elle fait des switches et tout, là! Maman, elle fait des switches! Ok, bon, le morceau, tu t'en fous, du coup, je me doute. Ok. Ok, Luxray! Luxray, toi et moi, c'est la Ligue Pokémon! Luxray. Luxray, écoute-moi. Luxray, écoute-moi bien, Luxray. On va se battre ensemble. Et quand on se bat ensemble, on fait des étincelles, toi et moi! Oh, il se plante! Ah ouais? Ah ouais, tu veux te planquer comme ça? Tu crois que faire ta mijaurée comme ça, tu vas. Tu crois quoi? Tu crois que ton petit mijaurée, je vais ressentir de la pitié pour toi? Eh ben non, pourquoi? Parce que j'ai un Léviator dans mon équipe. Eh oui, il vient de rentabiliser le Léviator. Et là, tu l'as mal, eh oui, tu l'as très mal, parce que le type vole. Hein? Comment ça, tunnel? Je ne comprends pas, je n'ai rien ressenti. Bah alors? Moi, je pense que t'as voulu faire le malin un peu trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le malin avec moi? Eh ben, on prend tarif. Mon attaque, elle va augmenter beaucoup. Ma vitesse va augmenter beaucoup. Et t'auras beau me faire toutes les avalanches que tu veux, j'en aurai rien à foutre. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis le boss! Je suis vraiment ravagé. Mais c'est grave d'être comme moi, bordel! On va placer notre Léviator déjà. Placer un Pokémon, ça veut dire le rendre puissant. Et à partir de là. Ok. On le place une dernière fois. Parce que s'il refait une connerie, genre avalanche, on peut l'encaisser. Et en fait, je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt à ce qui va se passer en fait. Oh, Léviator! Mes encouragements jusqu'au bout du monde! Ok. Léviator, toi et moi, c'est à la vie, à la mort, tu vois. Tu vois, Léviator, toi et moi, je pense qu'on va aller à la Ligue Pokémon ensemble. On va voir Cynthia, on va lui dire, hé, hey, regarde. Léviator! Comme ça, tu vois. C'est quoi une avalanche là? Ouais, tu m'as fait 20 PV. C'est bien, c'est bien. Je peux essayer un truc? Je veux juste. Parce qu'en fait, je sais pas trop ce que ça va faire comme dégâts. Et je me dis, mais Hydro-Queue, qu'est-ce que c'est exactement? C'est bien ce qui me semblait, c'est un KO, ouais. Ouais, c'est un KO, ouais. Ouais. C'est un KO, ouais. Ouais. Charmina! Mais non, on va pas changer! Bien sûr que non! Et pourquoi on ne change pas Charmina, les amis? Parce qu'on en a rien à faire, qu'on va même placer une autre Hydro-Queue! Et que le stab plus ses trois dans ce Draco, ça va faire très très mal! Non! Maintenant il est placé notre Pokémon, c'est-à-dire il a les buffs augmentés, la vitesse et l'attaque. On a fait trois dans ce Draco, son attaque a augmenté trois fois. Jack a été assez élevé de base, parce que c'est un Léviator. Je peux vous dire qu'on va faire extrêmement mal maintenant avec les Léviator. Plus les quelques niveaux qu'on a au-dessus. Non, non, c'est carré, c'est fini. Hein. J'attendais pas à ce qu'on perde Torterra sur ce call, par contre. C'est vrai que la mort de Torterra, c'est sad, quoi. C'est un coup de chance de sa part à elle, quoi. C'est la glace, quoi. S'il n'y avait pas eu de glace, bon, bah. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici mon Pokémon ultime, Blizzard Roi! 42. Il peut faire un peu plus mal déjà, mais vous savez ce qui va se passer? Il va se passer la mâchouille. La fameuse, la célèbre mâchouille de Léviator! Qu'est-ce qui baisse ta défense? On s'en fout. Ouais, manche ta B, ouais. Ouais. Ouais, manche ta B, ouais. Ouais. Ok. Après, j'ai quand même gagné, mais ok. Ah, je sens ta volonté de vaincre, mais je n'ai pas l'intention de perdre. Bah, en fait, que t'aies l'intention ou pas, tu perds, malheureusement. Putain, là, quand même perdu Torterra, quoi. Niveau 52, ça nous aurait mis bien, quoi.
Je suis plus de sympathie pour toi. Peut-être même que je t'admire un peu. Eh ben, t'as quand même tué Torterra, quoi. Waouh, tu es fantastique. Tu viens de gagner mon respect. C'est ta volonté et ton enthousiasme qui ont fait toute la différence. Ah oui, c'est vrai. Je suis censé te remettre ceci. C'est au 7ème badge que nous avons perdu Torterra, les amis. Oh, vraiment, le type glace nous aura bien fait chier. Nous aura fait perdre 2 Pokémon, quand même. Hein. Tu vois, ce badge glaçon que je viens de te donner. Grâce à lui, tu pourras utiliser la capacité secrète escalade avec ta Pokémon-montre. Oh, j'allais oublier. Ça aussi, c'est pour toi. Merci, merci, merci. Pas obligé de me foutre le seum comme ça, peut-être. C'est 72 contient de la capacité avalanche. Si le lanceur subit des dégâts, la puissance de cette capacité est doublée. Tu te rends compte de la volonté qu'il faut pour utiliser une capacité pareille? Ouais, ouais. La volonté de perdre un Torterra, quoi. Mais ça va, ça va. Bah ouais, mais non, quoi. Le Torterra perdu, c'était... Enfin... Je suis une merde, quoi. Bon. Faut qu'on remplace notre Pokémon. Je propose Roselia. Parce que Roserad, c'est cool. Mais en vrai, mais moi, j'y crois pas, quoi, en fait. Hein. Mais moi, j'ai du mal, quoi. Même moi j'ai du mal là, je vous avoue, sur le call Roselia là, niveau 18, bon. Même moi j'ai du mal quoi. Bon bah Mnou, tu vas partir en balade avec moi pour l'instant je pense. Hein. Attends, hop. Voilà, promener avec. Pourquoi je peux pas me promener avec, je comprends pas. Genre l'endroit est trop serré peut-être. Vous voyez, je peux me balader avec aucun Pokémon. Bizarre ça. C'est bizarre que je puisse me balader avec aucun Pokémon. Quoi, c'est la neige qui fait ça? La route? Je sais pas. C'est chelou. Là. Vous voyez, je rencontre des Mako, des Machopper, des Charmina. Mais je n'ai pas de Pokémon de type glace. Hein. Ouais, mais autour des Frimapic, il y a plein de Pokémon de type glace. Non, non. Non, autour du Frimapic, il y a que de la merde. Merde, je vais changer clair. Bon, c'est pas grave, mais... Non, non, là, votre attaque de votre ville de merde, là. Vraiment faux. Non. Non, non. Mais tu peux pas comprendre, il y a plein de Pokémon de Team Class. Ils doivent sûrement vivre au temple. Mais non, bah non. J'ai affronté 4-5 Pokémon sauvages parce que je suis tombé dessus. Que les teams combat. Aucun Team Glass. J'ai le seum. J'ai le seum, bien sûr que j'ai le seum. Mais bon. C'est pas permis quoi d'avoir le seum comme ça quoi. Moi je vous le dis. C'est pas permis. Bah oui, niveau 19, Roselia, bah oui, du coup. Tu sais qu'il y a KG clair. Ah. Bah à la place de chargeur éventuellement, parce qu'on ne sort pas finalement pas beaucoup, pas tant que ça. Je pense que KG clair pour paralyser, c'est pas dégueu en vrai. Fait chier quand même. Est-ce que j'ai. C'est une pierre qu'il faut pour faire évoluer. Je crois que c'est la pierre éclat pour faire évoluer. Voilà. Je peux poser un petit peu. Puis en effet, si on sent qu'on garde Roselia, ben on le fait évoluer quoi. Parce que Roserad, c'est cool. Pokémon de combat, il y a aucun Pokémon de type glace autour. C'est vraiment de la merde. Je suis dégoûté. C'est pas juste. En fait, il va falloir qu'on carry contre le Karchakrok. Hein, moi, je vous le dis. Hein.
Oh merde quoi. Non mais je suis dégoûté parce qu'on était bien parti en vrai à la base. Et vraiment je trouve pas ça mérité que d'un coup on perde deux Pokémon, un sur un one shot, vraiment un one shot. En Nuzlocke c'est dégueulasse les one shot. Et le deuxième on le perd sur je sais même pas sur quoi on le perd quoi. Enfin, une avalanche doublée d'une d'un vieux grêlon de merde là. Ah j'ai un peu le seum hein, ça c'est sûr hein. Mais bon maintenant on a Roselia quoi. C'est bien, c'est bon Roselia aussi. C'est cool. Bah oui. Je pense que quelque chose, je pense que des gens aiment bien se dire bah le starter il est mort quoi. Mais bah oui c'est cool. On en perd encore un, hein, je suis en PLS mais c'est cool. Excusez-moi. Vous allez me le payer, Team Galaxy. Oh, c'est déjà terminé. Tes Pokémon ne sont pas mauvais, mais tu es d'une faiblesse embarrassante. Tu pensais sincèrement pouvoir sauver le Pokémon du lac et devenir maître Pokémon en plus? Continue de rêver, petit dresseur. Quoi qu'il en soit, il fait trop froid ici. Je rentre que j'ai de voix la roque. Bonjour, madame. Ah, c'est toi. On s'est déjà vu à Vestigion, non? Bon, écoute-moi bien. Il faut que tu comprennes que la Team Galaxy œuvre pour le bien de tous. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que tu cesses de traîner dans nos pattes. Et je t'en prie, épargne-moi ton couplet sur ces pauvres Pokémon ou je ne sais quelle autre idiotie. Et ne perds pas non plus ton temps à tenter de t'introduire dans notre QG à Volaroc. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Ça va René, pas trop le seum? Bon, j'avoue, je n'ai rien pu faire contre la Team Galaxy. Ce Pokémon, Krielf, il avait vraiment l'air de souffrir. Je vais devenir plus fort. Au fond, la victoire, la défaite, tout ça, ça veut rien dire. Je crois que je reconnais là le discours d'un perdant. Eh oui, René. Faut juste que je devienne plus fort. Ok, bah go, voilà, Rock. Hein. On va y aller en volant. Je crois qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça, maintenant qu'on s'est donné... En plus, on s'est donné l'autorisation de voler, maintenant. Donc je pense qu'on peut aller leur botter le cul dans les règles. Mais bon. Ça va faire mal, hein, quand on va arriver... Enfin, bordel, c'est pas juste, mais on avait Torterra, quoi. Il était bon, le Pokémon, quoi. Perdu sur une vieille avalanche, plus les grêlons, quoi. Enfin, les grêlons, c'est vraiment de la merde, hein. Je sais pas qui les a foutus là, mais... Bonjour, c'est re-moi. J'ai pas pris rendez-vous cette fois par contre. C'est pas un problème de toute façon. C'est quoi la prise de rendez-vous? J'ai pris rendez-vous, je peux... Non, c'est le même. Ok, c'est cool. Ok. Je peux rentrer? Ok, non, je peux rentrer apparemment, c'est cool. Ah, faut une clé. On n'a pas la clé. T'as la clé, toi? Ben, c'est moi, ouais. Eh, hey, mais je te reconnais! J'ai parié que tu m'oubliais, mais moi, je me souviens très bien de toi. C'est de ta faute, ça m'a pris mon mélofé. Mon partenaire aussi a acheté l'éponge, il est retourné chez lui. Hein? Tu me crédis encore? Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, à plus! Bonjour! J'ai pris rendez-vous cette fois! Au nom de Loki, L-A... Quoi? Attends, je suis pas au même endroit là. L-A-W-K-I, Loki. Vous pouvez regarder, j'ai mon nom inscrit sur le registre. Ah, c'est pas la bonne clé. On va prendre cette porte là en vrai. Hein. Elle avait l'air bien cette porte là à la base. Hein. Ah. Bah, peut-être le hangar qui était situé en bas alors, en vrai. Il y avait un hangar plus bas, on peut-être essayer d'y aller.
Je suis un peu une quiche en vrai. Bonjour! Il n'y a personne normalement ici, mais ok. Emporter. Oh, je crois que c'est la bonne. Je crois que c'est la bonne, les amis. Les autographes, ça suffit. Tout le monde n'a pas des corbos. Félicitations, bordel, on a réussi un truc de ouf. Allez, on arrête de déconner. On a un corbos maintenant. Alors, mon rendez-vous, c'était avec qui déjà? Jupiter. Cher Jupiter, ben alors, t'as perdu ton chemin? Ben non, en fait, Jupiter avait pas laissé trop d'indices pour savoir comment la retrouver. Et du coup, je cherchais Jupiter, ouais. Après, si tu veux pas, ben, on va se battre, hein. C'est juste dommage qu'on se batte pour Jupiter, quoi. Après, t'es type Volt, je suis type électrique. Est-ce que tu penses vraiment que si je fais l'étincelle, t'es pas KO, quoi? Une vraie question. Et en plus, sur un coup critique, quoi. Donc x2, x4, parce qu'en fait, ça redouble les coups critiques, c'est x4. Hein. T'as pris l'étincelle x4, mon frérot. Ça t'aime bien, j'espère. T'as peut-être perdu ton chemin, mais t'as pas perdu ce combat. Bah non. Après, moi, je les perds pas trop, les combats, en général. Hein. Jupiter! Jupiter? Ah, pas Jupiter, mais du zinc. C'est bon pour la santé, le zinc, hein, vous savez. Jupiter? Oh, t'es pas Jupiter, toi! T'es le premier qui a réussi à s'infiltrer dans notre QG. Bah après, je me suis pas infiltré, j'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous, on était au lac Savoie. Et je lui ai fait savoir que je voulais prendre rendez-vous. Savoir, hein, pas Savoie. Parce que Savoie, elle est en... Elle est bien, quoi. Elle est... On entend parler, quoi. Là, les gens pensaient que je parlais de la Savoie. Et la blague était volontaire, les amis. Vous pouvez rigoler maintenant. Ouh, il tank. Ouh, le tanking qui fait pas plaisir par contre là. Après, je suis niveau 48, j'ai tous mes PV. Ton poison il va pas trop m'emmerder quoi. Le seul truc c'est qu'il faut que je perde un tour pour le soigner en combat. On va prendre ce tour là, on va voir ce que c'est que l'autre Pokémon, voir si c'est pire. Et ça se trouve, ça va être pire. J'ai Grelocoque, ok. Bon, pas très intéressant sur ce Pokémon parce que pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de dégâts quoi, mais... Ok... Archéomir. Archéomir, on peut claquer un objet de soin. On va claquer un truc de... un antidote ou une connerie comme ça. Voilà. Et puis, puis voilà quoi. Représailles. Je devrais pouvoir tanker représailles hein, trop facilement. Et moi à côté j'ai morsure, et comme tu es le type Epsi, tu vas prendre ta race. Voilà, exactement. Bravo Luxray, bravo, bravo, bravo bien sûr. Oh ouais, je vois, tu frimes juste parce que t'es hyper fort en fait. Bon, j'aime pas trop frimer d'habitude, mais ça me permet de retrouver Jupiter. Jupiter? T'es Jupiter, toi, déguisé? Je suis un membre de la Team Galaxy. Et je n'ai même pas de Pokémon. Je suis le sbire des sbires.
Mais c'est de ma faute, hein. C'est toujours pas utiliser les téléporteurs. Ah, ok. Bah, t'es pas Jupiter, je pense, hein. Jupiter ? Jupiter ! Oh ! Là, t'es pas Jupiter, toi. Pour qui tu te prends ? À saccager notre QG impunément. En fait, je cherche Jupiter, je me dis peut-être qu'elle est sous les cartons, et elle était pas. Et après, je me dis peut-être qu'elle est au sol, donc je me suis allongé au sol, comme ça, et je l'ai pas vue, donc j'ai soulevé les carrelages, je l'ai pas vue. Ouais, j'ai essayé de chercher dans ta coupe de merde de cheveux si elle était, et... Non, non, parce que... Enfin... Pas de fin de blague, mais... La coupe était pourrie, quoi, je voulais juste le faire remarquer aux autres. Voilà. C'est tout avant de faire l'étincelle. Attaque stabée, ça fait toujours plaisir sur un chaglam. Qui n'a d'ailleurs rien demandé au passage, mais c'est pas grave ça. Ah, il faut avouer que tu es particulièrement doué. Merci, je préfère. Oh mais... Ah, c'est pas à qui elle parle et elle m'agresse comme ça quoi. Ah, un objet. Ébullition. Ça peut servir en vrai. Oh frérot. Téléporteur après téléporteur hein. On va commencer par celui-là hein. Ok bon c'est trop grand, on va d'abord affronter le mec, on va prendre les escaliers avant. Je sens que je suis à deux doigts d'obtenir une promotion. J'ai impressionné le boss en te battant. Il sera bien obligé de reconnaître mes mérites. Bah, si tu me bats... Non, parce qu'en plus, faut savoir une chose. C'est que, monsieur, dans votre stratégie, il faudrait que tu me battes en pleine possession de mes moyens. Or, la reine de merde qui est à moins de 10-20... Bah non, parce qu'elle a... En fait, est-ce qu'elle a gagné ? Votre arène super méga loin de 100 bornes, que je viens de battre il n'y a même pas 20 minutes, eh ben, elle m'a fait perdre deux... Enfin... Du moins, deux Pokémon indirectement. Puisque, tout commence... Non, trois Pokémon, elle m'a fait perdre trois... Non, quatre Pokémon, elle m'a fait perdre quatre Pokémon. Le premier, c'est Lucario. Parce que, type combat, elle m'a fait un x2, enfin... Un coup critique sur un x2, je sais pas quoi, coup critique à la con... Pas mérité, Lucario. Ensuite, premier Pokémon de type glace. On est dans une zone où il y a de la neige partout. Je tombe sur un Medikita de merde. Et alors là, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mérité. Donc, troisième Pokémon perdu, je vis dans une autre zone, pleine de glace, deuxième Pokémon de type combat. Et ensuite, après, à l'arène, j'ai perdu Torterra, parce que, bon, bah, c'est un peu compliqué quand même à expliquer, mais j'ai perdu Torterra. Donc, j'ai perdu 4 Pokémon. Ne va pas croire que si tu me bats, tu auras les mérites de ton chef, puisque je suis plus en position pour les moyens, j'ai tout perdu sur la route à cause de même pas la Team Galaxy. Donc, t'es tranquille, si tu me bats, ton chef, il te dira « Il était venu sans Pokémon, c'est bizarre ». Comme ça, c'est tout. Là, j'ai juste ton petit Luxray, bon, qui est quand même bien. Oh, vent violent. D'ailleurs, petite curiosité, 170 de précision. C'est bien ce qui me semblait, ça touche à rien du tout normalement, en théorie. C'est bien ce qui me semblait. On va lui faire oublier morsure. Je pense que l'éditeur va carry notre run, en vrai. Blague à part. Il y a moyen qu'il la carry notre run, en vrai. Alors, on est là niveau 23, du coup, enfin... Bref, anyway. Monsieur, il est prévu que vous perdiez vos Pokémon, alors s'il vous plaît, arrêtez avec vos conneries. Voilà, allez, Blend Alice, c'est ciao. Oh, j'aimerais que ce combat n'ait jamais eu lieu. Ah ouais, mais si on pouvait faire CTRL-Z dans Nuzlocke, hein, ça se saurait. Jupiter ? Les portes dérouillées ne s'ouvrent qu'avec une clé. Je peux dire où elle se trouve si tu veux. Je rigole ! Tu m'as pris pour un méchant bête comme dans les films ou quoi ? Parce que j'ai besoin d'une clé là ? Il n'y a que les ignorants comme toi qui osent défier la Team Galaxy. Ah pardon, on va chercher la clé de Jupiter, mais ok. Ah, t'as un seul Pokémon ? Cool, cool. Moufouette. Après, c'est pas un vieux moufouette qui va apprendre à faire des grimaces, hein. Je vais tenter un truc. Après, en soi, Dialga, je pourrais le capturer, du coup. Les colonnes lances, c'est pas... C'est pas la grotte, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, la grotte, faudra que je regarde. C'est deux zones différentes, normalement.
Boum final. Salaud. Salaud au propre. On est encore pour une demi-heure. En vrai, je pense qu'on peut faire en une demi-heure. Je pense qu'on fera les colonnes lance demain. Je pense qu'on va s'arrêter juste avant les colonnes. Enfin, qu'on va aller aux colonnes lance et qu'on va s'arrêter devant les colonnes lance, quoi. Je pense. Ce serait pas mal comme timing, ça, en vrai. Bonjour, c'est toi, Jupiter. Eh, hey, toi, tu as l'air louche. Alerte, un intrus. Bah, je suis pas un intrus, je suis un deux-trus. Pardon, mais ça m'a fait rire. Enfin, cette blague m'a fait rire. Non, je pense que je suis quelqu'un de légèrement oublié par la race humaine en termes de blague, hein, mais les gens rigolent, donc on va dire que c'est le principal. Tant qu'il y a du rire, en vrai, même si c'est un rire de moquerie, ou un rire de gêne, ou un rire de cringitude, bah, ça me suffit quand même. Hein. Ça reste un rire. Hein. C'est bien illustré, j'ai pas vu ce que t'as fait illustré, mais c'est bien, bravo. Oh, mais ton moufouette, il a boom final encore, celui-là, c'est ça. Tu t'es dit, ah, boom final, c'est une bonne attaque, c'est pourquoi je devrais pas faire ça? Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Et la boom final, voilà. Parce que les moufouettes sont tous des... Voilà. Faut dire les termes, quand même. Ah! Ah, comment j'ai pu perdre contre ce gamin si louche. Ah bah, écoutez... Ah, et là, il faut la clé. Et la clé, on l'a en faisant demi-tour. T'inquiète pas, Jupiter, j'arrive. Faut juste que j'aille chercher les fleurs pour notre rendez-vous. Pourquoi j'ai dit ça, mais... Ça passe toujours bien auprès des femmes quand tu dis ça. Ouais, je suis en retard, faut aller chercher des fleurs, chérie. Mais là, ça passe toujours mieux. Bonjour monsieur. Hé, hey, toi, notre QG est une infrastructure ultra moderne. Les sales mioches comme toi n'ont absolument rien à faire ici. Je cherchais juste des fleurs, monsieur. Nestor, en plus t'appelles Nestor, enfin. Tu veux du respect? Mais change ton prénom déjà. J'ai rien contre les Nestor, entendons-nous bien. Oh, niveau 25, j'ai chier. Doux parfum. Oh non, pas besoin. Kadabra, bonjour Kadabra. J'en ai battu un comme toi il y a 2 secondes. Tu veux que je te montre comment j'ai fait? C'est juste pour te montrer comment te prévenir les attaques de type ténèbres. Regarde, quand t'as ça, normalement t'es censé résister Kadabra, tu vois. Et pas crever comme une merde, mais tu sais pas encore faire. Mais je t'apprendrai Kadabra un jour, je repasserai. Tes Pokémon et toi ne faisiez pas partie de mes calculs. Bah... Ouais, je suis un peu un inconnu, quoi. T'as la clé? Ah, notre boss essaie de changer le monde. Il veut un monde rien que pour nous. Pour la Team Galaxy. Ouais, en théorie, vous êtes la team la moins dangereuse, hein, parce que vous voulez pas trop vous faire chier les autres, en vrai. What? Mais qui a pissé par terre? Bomberk. Ok. Si je me cache là, hop, je passe comme ça, il se passe quoi? La fameuse clé galaxie. Ouais, d'accord, je vois. La Team Galaxy libérera tous les Pokémon et la nature tout entière. Et ensuite, tout nous appartiendra à moi. Pardon. Excusez-moi, je sais faire un rire de psychopathe. Je profite de mes connaissances de rire psychopathe pour faire des rires psychopathes. Il reste 25 minutes, ça se va vite en vrai, il reste 25 minutes, hein. À tout moment, en 25 minutes, il peut se passer beaucoup de choses, les amis. Hein.
Ah mais c'est même pas la suite. Ah non, il faut retourner au truc de départ. Oh frérot. Bon bah j'ai pas trouvé Jupiter par là. J'ai pas... Excusez-moi du dérangement les amis, je vais chercher ailleurs. Excusez-moi, parce que là j'attends un mail assez important en vrai de retour. Il y a moyen que si je l'ai, je sois content en fait, vous voyez. Et vraiment très content quoi. On fait le tour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Jupiter. J-U-P-I-T-E-R. T-E-R, oui, exactement. Jupiter. Est-ce que ça passe le rendez-vous? Nickel, merci monsieur. À toutes. Jupiter, J-U. C'est. Halte là! Tu veux qu'on puisse voir comme dans un moulin? Mais non, mais monsieur! Je cherche juste. Mais. Vous êtes pas très gentil, monsieur. Bélier? Non, pas besoin de bélier en vrai. Nosferalto, on n'aura pas le droit de changer de toute façon, monsieur. Ok, j'ai compris. La voie est libre. Merci. Jupiter, j'ai trouvé... Non mais, faut pas être jalouse, madame. Tu dois commencer à fatiguer, non? Maintenant, c'est à la Team Galaxy de briller. Tu dois commencer à fatiguer. C'est à la Team Galaxy de briller. Non mais... Non, j'ai toujours été très mauvais en chant, moi, de toute façon, vous savez. Parce que Luxray devient un Pokémon phare alors que... RIP Torterra quoi, moi je vous le dis. Armulis le jeu mis. Bah GG à nous. Ah Roselia évidemment, niveau 27 ans. Bonjour monsieur. Attends, je passe. Vous êtes dur à trouver monsieur. Je ne te laisserai pas perturber nos recherches pour la Team Galaxy. Après, tu veux dire quoi pour la Team Galaxy, mon ami? Tu... Ned, attends, Ned, pose cette Pokéball par terre. Qu'est-ce que tu veux faire pour la Team Galaxy, Ned?
Ned, regarde par là, Ned. Qu'est-ce que tu peux faire pour la Team Galaxy? Je ne pense pas que tu fasses grand-chose pour la Team Galaxy. Je pense juste que tu es complètement ravagé, quoi. Monsieur Corbos. J'ai été battu. J'ai l'air pathétique. Mais non, tu n'as pas l'air pathétique. Un peu quand même, en vrai, frérot. Je le sens très très bien, le lit, là. On va dormir à Team Plasma. On est comme ça. On a entouré le tueur en série, nous, on est là. Comme ça. On a vraiment rien à foutre, hein. On a dormi une petite nuit, là. Hop. En duo, les gars. En duo, allez. Alors, c'était bien visité que j'ai la Team Galaxy à ta guise. Eh, toi, petit dresseur, on ne parle que de toi dans la Team Galaxy. Il faut dire que celui qui te battra sera promu. Alors, soyez promus, les amis. Puisque vous n'allez jamais me battre! Pardon. Je ne suis pas un psychopathe, bien évidemment. Je pense que depuis le temps, vous le savez. Ça mettrait bien qu'il y ait Mew alors que Mew n'a rien demandé, hein. Mais Mew est là, quoi. Vraiment, ça me détruit, quoi. C'est vraiment le petit Pokémon. Il est là, mine de rien. Bonjour. Enfin... Ok, quoi. Bon, après, c'est Mew, quand même, hein. Donc, abuse pas, Cradopo. Ouh. Oh, le coup critique. Il est parti. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 il est un seul. Hein. Ah bah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, c'est sûr. Après, le truc, c'est que t'as pris cher, quoi, frérot. On va recommencer, mais... Round 2, go! Ça fait un peu moins mal que le premier. Le fameux boom final. Hein. C'est vraiment un talent de connard, boom final. Hein. Excusez-moi, il faut dire un peu le terme des fois. Hein. C'est vraiment un talent de connard. Hein. Point. Mew monte au niveau 48. Bonjour Chaglam. Très heureux que Cradopo ait appris autre chose que Kuba d'ailleurs. Ah. Toutes les attaques de Mew sont boostées. Enfin, tous les stats de Mew sont boostées. Ce qui n'est plus très utile maintenant. Mais... C'est toujours cool quoi. Petite étincelle là. Hop Chaglam. Ah merde quoi. On va avoir du mal contre Cynthia, moi je vous le dis. Pourquoi moi tu ne me laisses pas faire à ma guise? Je vais faire une croix sur ma promotion. Dégagez les noobs. Laissez passer le boss. Jupiter! T'es là Jupiter-re. Allez c'est celui-là. Ah bah non. Pas du tout. C'est pas du tout celui-là. Jupiter ? Pas non plus. Vous savez ce qu'on dit ? C'est toujours dans la dernière poche qu'on trouve ce qu'on cherche, quoi. Je sais pas si c'est vraiment le nom de l'expression, mais c'est pas grave. Petite save en vrai là. On n'a pas une équipe de ouf. Hein. J'aurais aimé une équipe totalement différente en vrai.
Elio, c'est toi? Je vois. Tu dois être le dresseur qui est mentionné dans les rapports que j'ai reçus. Cette tête brûlée qui a choisi de s'opposer à la Team Galaxy. Il paraît que tu donnais du fil à retordre à mes admins. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. Je connais la raison de ta venue. Tu es ici pour Créelf, Créfolé et Créfadé, n'est-ce pas? Ces Pokémon ne me sont plus d'aucune utilité. Si tu souhaites les récupérer, fais donc. Cela m'évitera de devoir m'en débarrasser. Tu es libre d'en faire ce qu'il te plaît. Cependant, je dois admettre que tu es un spécimen remarquable. Ces Pokémon n'ont rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Pourtant, tu viens les secourir par pure compassion. La compassion. Cette émotion misérable et illogique, irrationnelle. La pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse. C'est cette sentimentalité inepte qui t'amène ici. Je vais te faire regretter d'avoir écouté ton cœur. Ok. Les amis, première bataille contre Elio en Nuzlocke. Il a 3 Pokémon. Oh frérot, t'avais une pierre nuit à 10 pas de chez toi. Qu'est-ce que t'as foutu? Non, par contre, c'est pas du tout un problème parce que je vais le one-shot quoi. One tap! Oh! Allez, Cornèbre, ça dégage! Mange un Corbos! 47, c'est fine, il reste encore un petit quart d'heure. Un tout petit quart d'heure, ça va passer extrêmement vite, les amis. Hein. Lui serait au niveau 50, c'est fine. Nosferatu, voilà, 2 Pokémon pour une faiblesse électrique. Tu commences très très bien, Elio. Elio! Qu'est-ce que tu fais, Elio? Farfuré, go. C'est mon dernier Pokémon. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient des teams un peu à chier des fois, les boss, quoi. Genre des fois, ils sont là, ouais, j'ai une team un peu à chier, ça me fait plaisir. Ah frérot, ok, hein. Ah. Ok, Farfuré a tanké, les amis. On a un problème, là. We have a situation, les amis. C'est cool, c'est cool. 29 pour Roselia, ok. Bon, Roselia est vraiment en retard, mais elle rattrape, elle rattrape. Ah, intéressant. J'irais même jusqu'à dire captivant. On a battu le premier Elio pour l'instant en Nuzlocke. Tu es coriace, cela ne fait aucun doute. Et je vois que tu tires ta force de ton amour pour les Pokémon. Quel gâchis. Ces émotions ne sont qu'illusions. Et comme toute illusion, elles s'étiolent jusqu'à ce que la mort les fasse disparaître à tout jamais. Voilà pourquoi j'ai tourné le dos aux émotions et aux sentiments. Mais peu importe, je doute que nous puissions nous comprendre, toi et moi. Je reconnais toutefois que tu as fait preuve de beaucoup et d'énorme courage en venant jusqu'ici, seul, pour te battre contre moi. Cela mérite bien une récompense. Félicitations, la Master Ball! La Master Ball est la Pokéball ultime. Elle permet d'attraper à coup sûr n'importe quel Pokémon. Mais elle ne m'est d'aucune utilité. Contrairement à vous autres dresseurs, je ne considère pas les Pokémon comme des partenaires. Et je ne l'utilise pas comme des objets, comme le font les membres de la Team Galaxy. Non. Je fais en sorte que leur puissance soit mienne. Si tu souhaites sauver les Pokémon des lacs, emprunte ce téléporteur. Pour ma part, je vais me rendre au Mont Couronné. Oui, le lieu de notre première rencontre. Je gravirai la montagne pour enclencher la fin du monde. Ou devrais-je dire, sa renaissance. C'est ambitieux. C'est ambitieux, frérot. Ok. Eh ben, allons libérer nos amis Pokémon légendaires, du coup. J'ai coopéré avec la Team Galaxy, mais cette expérience dépasse les bornes. Bah du coup, tu les relâches là, du coup, là. Je n'ai rien à dire pour notre défense. Mais cette chose que nous avons créée, à quoi va-t-elle servir? Qu'est-ce que vous avez créé? La chaîne rouge, tout le monde le sait en général.
Eh Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour sauver quelques Pokémon. Décidément, je dois dire que la logique du chef m'échappe. Si la Team Galaxy prend ce dont elle a besoin et élimine le reste, pourquoi le chef laisserait-il un enfant comme toi aller au bon lui semble? Très bien, puisque tu as le courage de venir jusqu'ici, je vais t'accueillir comme il se doit. Tu vas payer pour l'affront que tu m'as fait au lac. Eh hey frérot, tu m'as... Enfin, ça devrait être fini, ça, normalement, depuis le temps. Enfin, t'exagères vraiment. Oh, vraiment, frérot. Crois-moi que t'es en exagérance totale. Ton chef, je l'ai rétamé. J'ai pris sa petite tête et ses petits cheveux, tu vois, et j'ai fait boing comme ça. Je comprends pas comment, en 2022, tu peux me dire... T'as fait tout ça? Ben maintenant, je t'affronte. J'ai déjà battu une première fois, il y a... Oh, il y a des mois, quoi. T'exagères de faire croire que je peux pas te rebattre une deuxième fois, quoi. Je t'ai déjà battu, j'ai juste à recommencer. Et on va recommencer, bien sûr. Il en va de soi. Chling. Oh, merde. Oh, il a la trouille. Allez, je prends 0 dégâts, c'est nickel. Le changement de Pokémon, c'est normal, ça? Quatox. Ok, Quatox. En fait, le truc, c'est que Torterra avait une sacrée avance en termes de niveau aussi, non? Faut dire ce qu'il est, hein. Je pense que Dialga va claquer la Master Ball. Comme ça, on prend aucun risque que nos Pokémon décèdent. On essaie de l'attraper, vous voyez ce que je veux dire? On claque la Master, et puis voilà, hein, c'est pas très grave. C'est pas la mort non plus. Hein. C'est juste un peu chiant, si vous voulez. Mais on fera avec, quoi. Pas d'inquiétude, les amis. On fera avec. Ok, on l'a battu, les amis. Je dois admettre que tu es coriace, mais il en faut plus pour gagner mon respect. Évidemment. D'où te vient cette puissance? Soit, fais ce que tu veux de ces trois Pokémon. Il suffit d'appuyer sur le bouton de cette machine pour les libérer. Bah merci. Allez les amis. Notre chef a fabriqué une chaîne rouge à partir des cristaux qu'il a créés des trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné. C'est tout ce que je sais. Qui sait ce qu'il compte faire là-haut? Bah oui, c'est tout ce que tu sais, mon œil, frérot. Y'avait pas un... On a pas de téléporteur. Ça va être très long. J'ai pas une corde sortie sur moi, en vrai. Ça m'étonnerait que j'en ai aucune de corde sortie, tu vois. Merde, je peux pas l'utiliser. C'est comme vol quoi, hein. Quand on a donné l'autorisation pour vol, on a donné l'autorisation pour la corde sortie. Et du coup, on gardera tout le monde couronné pour demain. C'est fine aussi en vrai. Ouais, peut-être que ça a libéré ceux-là en vrai. Ouais, nickel. Et celui-là, il va m'amener à l'entrée. Voilà. Voilà, voilà. Bah, du coup, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein. Moi, de mon côté, je vais juste vous laisser là. Et puis voilà en vrai. Hop. Bon du coup demain les amis, à peu près à même heure, un peu en avance, là on était un peu en retard quand même. On était en train d'une demi-heure, on n'était pas censé dépasser 14h. Mais quand j'ai pris ma douche, j'ai pas pensé à ça. Donc c'est my bad. Du coup les amis, on se retrouve entre 13h et 14h du coup, ça c'est cool. Et puis après, pareil, hein, jeu Lego, Pokémon, on est jeudi demain. Donc ouais, ça va être comme ça. Vendredi, c'est sûrement pareil. Et puis voilà. Donc les amis, on va se quitter là. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. C'est bientôt les vacances, les amis. Tenez le coup, il y en a qui c'est les vacances. Toutes les zones scolaires, c'est les vacances après-demain. Vous avez encore deux jours d'école. Et après, vous avez 2 semaines pour Noël, les amis. Profitez-en. Profitez-en beaucoup. Même si votre rentrée, après, c'est le 2 janvier. Mais c'est encore autre chose. Donc les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain. Passez une bonne soirée. Et ciao, ciao tout le monde. Salut, salut. Et à demain. Et merci d'être passé.